Je suis née dans le milieu des chevaux. J'ai grandi avec eux. Dans les années qui ont suivi la mort de ma mère, j'avais passé un mois à m'occuper nuit et jour de Marquise. Elle était devenue le centre de mon existence. À ta vie. Vachement bien cette petite, hein. Fais sauter les bosses de Paloma et Proie, là. Tu crois quoi? C'est moi qui vais les faire? Passe sa vie à m'engueuler, il est jamais content. Il est un peu ours, mais en fait c'est un timide. Ouais, bah moi je suis pas dresseuse d'ours. Qu'est-ce que tu m'as manqué? On espère qu'un de nos chevaux fasse un miracle. Alors maintenant, on va s'entraîner sérieusement. D'accord? Ce moment, elle progresse. L'autre jour, sur la piste, t'as fait un bon canter. Merci. L'écurie est à l'agonie, Louise. Y'a plus rien qui rentre. Bah, t'as plus le choix, faut gagner le prix de Normandie. Et pourquoi pas le prix d'Amérique? Le prix d'Amérique. Apprends à monter à cheval, après on part, ok? C'est le fils la Cassagne. Son père, c'est un gros banquier. Ah, au cas où vous seriez vendeur? Elle n'est pas à vendre. Ah, elle n'est pas à vendre. Tu vas tout sans, oui? Ça va pas, t'es malade! T'en auras d'autres, des chevaux. Comment on va faire si on n'a plus du tout d'argent? Il fallait tenir. Ne pas se décourager. Marquise était notre bonne étoile. Ce qui compte, c'est la force de se relever.